la rade de Brest. C'est la plus grande rade naturelle d'Europe. C'est une mer semi-fermée de 180 km². Et donc, on va retrouver pas mal d'habitats marins sensibles. Et donc, c'est pour cette raison que la partie sud de la rade de Brest est une aire marine protégée, classée au titre de Natura 2000 et animée par le parc naturel régional d'Armorique depuis 2010. Le merle est surnommé le corail breton de par son apparence, mais en réalité c'est une algue calcaire rouge qui vit librement sur le fond et qui forme des bancs. Et donc il a besoin de lumière pour faire la photosynthèse. Sur l'anse du poulmique, on est sur un banc de merle particulier, le merle qu'on appelait le merle boule, le Lithophyllum fasciculatum, et qui est particulièrement rare puisque à l'échelle mondiale on va le retrouver sur quelques stations en Irlande de l'Ouest et deux stations en rade de Brest, le banc du Rose qui est à Logona et ici dans l'anse du poulmique. Le merle est un habitat donc extrêmement riche et utile à la fois pour la biodiversité parce qu'il va accueillir, abriter des centaines d'espèces différentes, que ce soit des algues, des invertébrés ou de nombreux coquillages comme pétoncle noir, praire, coquille Saint-Jacques. Quand on voit la structure du merle, on voit bien les menaces qui peuvent peser sur cette espèce. C'est toute action qui va abraser ou casser le merle ou toute infrastructure qui va le priver de lumière. Toute la subtilité de l'opération, c'est bien d'aller enlever ces déchets-là sans toucher le substrat, sans toucher donc le fond marin. Qui est sensible. Donc d'une part, nous, on a voulu être très précis dans la qualification. Donc pour ça, on a utilisé et des moyens d'imagerie sonar sous-marine pour bien identifier, pour pouvoir bien mesurer les obstructions qu'on a pu voir sur les écrans de nos sondeurs. Puis on a réalisé des plongées d'investigation pour confirmer l'information qu'on voyait sur nos écrans. Il y a donc un navire, on va dire un navire mère, qui est le Minibex, qui est là, lui, pour lever les gros déchets. Mais pour pas qu'il aille dans cette zone qui est sensible, on a utilisé un plus petit bateau qui est venu au droit des objets et qui les a levés avec son treuil sans raguer le fond et qui après a fait des navettes en quelque sorte jusqu'au gros bateau qui lui a utilisé son gros portique arrière pour les mettre en pontée. Et la troisième étape de cette opération, on va dire sous l'angle logistique, ça consiste à rallier le port de Brest où on a choisi là un partenaire pour traiter les déchets dans une filière de recyclage agréée. Comment a été accueilli ce projet donc de nettoyage ici au niveau du site du poulmique de l'Omergade? Je pense qu'il a été bien accueilli par tous les partenaires et a montré la nécessité finalement de mener ce genre d'action parce que ça concernait des macro-déchets que la plupart des gens ne voient pas. Et puis on arrive encore au grand intérêt de Natura 2000, c'est que ce nettoyage s'est fait en partenariat avec des acteurs que tout aurait pu opposer. Le monde de la pêche, le monde de la mer, les professionnels et puis des acteurs spécialisés dans l'environnement. La finalité de la suite, c'est de faire en sorte que tout le monde soit gagnant au niveau de la préservation du site et la préservation de la ressource. Life Mara donne une dimension supplémentaire au site Natura 2000. Aujourd'hui, on réplique ce type d'action sur l'ensemble des sites Natura 2000 au niveau français, que ce soit sur la conchyliculture, sur la pêche, on travaille sur le retrait des épaves, on travaille également sur le retrait des filets perdus avec les pêcheurs, on travaille avec certains acteurs sur le retrait d'autres macro-déchets non liés ni à la pêche ni à la conchyliculture, comme d'anciens récifs de pneus par exemple qu'on a fait sur Antibes. On a tout un tas d'actions qui nous permettent de répliquer ce type de travaux comme ceux qu'on a menés sur le poulmique. On va mener sûrement des actions similaires, mais on souhaite surtout pouvoir aussi travailler avec les conchyliculteurs pour adapter les modes de production, avec l'idée de toujours réduire l'impact direct sur le merle. Donc de pouvoir remplacer le balisage par exemple par du balisage de moindre impact, et puis voilà, adapter les modes de production pour continuer à bien concilier activité et protection de l'environnement.